Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le festival du vin de Port-Tiragne. Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'il y a énormément de vagues et du coup pour circuler c'est compliqué quoi. Voilà, au bord de la plage là il n'y a pas beaucoup d'espace. Là. Allez les vagues, comme elles montent. Ouh là là, ça y est. Donc voilà. Voilà donc, je vous fais admirer. Voilà le joli Hulk. C'est incroyable quand ça souffle. Alors que l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de vent. Alors cette année, c'est la totale quoi. Et effectivement, je ne voudrais pas me baigner. Donc voilà, je vous montre. Ils sont contents là, les cerfs-volants. Moi j'ai amené le mien, vous voyez. Donc je viens d'arriver là, vous voyez. Et là-bas on a un super sculpteur. Il sculpte sur le sable. Je vais vous montrer. Oh, il est beau celui-là. Magnifique. Alors, oui, ah, sur moi, on est en train de sculpter. On avait vu une année là, et il avait sculpté le logo du Festival du Vin. Il avait marqué Port-Tiragne, c'était très beau avec un Marcy Pudami. De plus en plus de personnes en maillot de bain. C'était pas mal. Bon là, il je laisse continuer à travailler. Alors peut-être qu'il y en a qui profitent toujours du chorégraphie, soleil, de la chaleur, du soleil, voilà. Et qui profitent pour faire bronzette. Je crois que Philippe, on est toujours sur une là, vous avez les professionnels, une aide interdite, hein, évidemment. De la chorégraphie. La mer vraiment beaucoup, me précise Philippe Callas. La mer est très très agitée. Il y a eu des accidents graves hein, depuis ce matin. Ouais, ils n'arrêtent pas. Et à Vias. Ils sont fadas, ils se baignent avec. Donc, voilà, on est sur pas de risque, pas de prise de risque. C'est dingue ça, les gens ils écoutent rien. Oui, il y en a partout, partout. Yes. Ouais, chorégraphie. C'est un volant. Au rythme de la musique. Alors, au départ, ils sont un, après deux. Ils font une chorégraphie à plusieurs. C'est vraiment bien. C'est pas facile de maîtriser le cerf-volant. Hein. Surtout si on veut faire des figurines. Des figures, pardon. Ah, il y a un drone. Vous l'avez pas vu là, le drone? Il tire bien le bar. C'est le drone. Voilà. Je vais continuer. Suddenly, those good old days are gone. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just play around the castle.
Lattery fat and lazy, you walked in. Mais ça souffle, ça souffle, il y a beaucoup d'ambiance ici. Mais oui, alors juste nous parler avant que la note ne tombe, avant que la note ne soit tombée pour Stéphane First, un petit bilan de cette compétition là, de cette première manche. Hein. Je rappelle qu'on a la deuxième manche, mon cher Laurent, demain à partir de 14h. Comment ça s'est passé pour toi cet après-midi ? Bah, ma foi, très bien, hein, très très bien. Les pilotes ont bien évolué. Ils ont, pour certains, eu quelques rafales de vent qui étaient un peu difficiles pour eux, mais ils s'en sont extrêmement bien sortis. Est-ce qu'on est sur des limites de force de vent ? Est-ce que on a une limite de vitesse de vent qui interdit ou qui annule une manche ? Là, on enchaîne des cerveaux là, mais on peut dessiner. Les enfants, ils adorent. Du coup, on ne peut pas très bien se promener au bord de mer parce qu'il y a une grande vague. Et c'est embêtant, quoi, parce que le cerf-volant, ça prend énormément de place. Et aussi... organisés et du coup ils sont obligés de mettre des cordes pour limiter mais c'est compliqué pour circuler quoi. C'est très joli le dragon à trois têtes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu.